Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour déballer encore une fois un big colis. Mais c'est pas de Marie cette fois-ci, c'est d'un autre abonné. Donc, c'est un big colis qui vient de la part de Nico. Donc, Nico, je te remercie. Pour le colis bien sûr, mais je te remercie aussi pour ta fidélité, tes commentaires réguliers, tes petits pouces en l'air et tout ça, voilà, t'oublies jamais ton petit commentaire, tu es adorable et c'est vraiment adorable. Et là il a voulu, ça fait plusieurs mois qu'il me parle, de me faire un espèce de swap calendrier de l'Avent pour Noël. Alors je lui ai dit non, mais il avait mon adresse vu qu'il a gagné un concours et il a gardé l'adresse, ce petit coquin. Donc il avait mon adresse et j'ai pas pu l'empêcher. Donc voilà la taille du colis, il est juste énorme et super lourd. Donc j'ai vraiment hâte de déballer ça. Nico, je te dis encore une fois merci. Je sais que tu t'inquiétais du fait que ce soit pas grand chose. Quand je vois la taille, je comprends pas comment tu peux dire pas grand chose. C'est vraiment le geste qui compte et je suis très touchée par ce geste. Voilà. Bref, bon, allez, on déballe parce que j'ai envie de savoir. Alors encore une fois, je risque de souvent dire que je vais lui péter la gueule. Parce que oui, même à mes abonnés, je pète la gueule quand je suis pas contente. Mais c'est toujours avec plein d'amour. Par contre, pour l'ouvrir, oh la vache, j'arrive même pas à l'ouvrir. Je suis recyclée. C'est bien. La vache, t'es un grand cinglé. T'es un taré. Les petites cartes, du papier bulle et plein de cadeaux qui sont numérotés avec des petits indices. Voilà. Alors je sais qu'il y en a pour les enfants et le chéri aussi. Donc là, je vais déjà. Oh, il a même mis. Des cachets de cire comme ça dessus, mais c'est trop bien fait. Menu du swap de Noël. Donc voilà, comme je lui ai dit, c'est pas un swap vu qu'il a rien en retour, quoi. C'est la carte. Joyeux Noël à toute la petite famille. Je lis ça. Je vais garder les petits bitonneaux là. Les cartes aussi, on est bien. Alors même les cartes, il a fait lui-même. Voilà. Oh, même derrière, il y a une petite fée. C'est trop bien fait. Alors, menu. Les cartes sont trop bien faites. Voilà. Alors, on attaque direct. 1. On est une queen ou on ne l'est pas. Alors, c'est génial. Ouh, ça sent le serre-tête. Ça sent le serre-tête. Bon, je fais de la récup. Hein. Bon, vous savez comment je suis. Une couronne. Oh, elle est jolie. J'en ai pas une comme ça en plus. Attendez, elle est collée. Bon, je vais tout mettre là sur le canapé. Ouh, elle est jolie. Attendez, je vais la mettre. Elle risque de me faire mal la tête, par contre, parce qu'il faut que je la règle. On va la laisser 5 minutes. Alors, numéro 2. En attendant Noël, petite douceur. Le 2, je l'ai vu. Ah, ça sent le calendrier de l'Avent. Avec un Papa Noël. Chouette. J'aurai 2 chocolats par jour. Vous verrez pourquoi dans le swap. Merci Nico. Donc ça, je le déballerai au jour le jour. Je vais juste enlever ma couronne. Parce qu'elle me fait mal la tête. À Noël. Hein, voilà. On attendra le 1er décembre pour commencer à déballer. En 3. En avant, la douceur en mini. 3.
23. Il y en a, ils sont énormes. 23. Ils font le même, mais sans le 2 devant. Le 5, alors je vais bien le mettre là, comme ça je cherche pas trop après. 25, c'est hyper lourd ça. 24, il est énorme et super lourd. Ah, mais il y en a encore plein dessous. Oh là 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 là. Attendez, je vous filme ça avec mon téléphone pour que vous voyez. Non, mais voilà quoi. Et j'en ai déjà ouvert 2, il y en a encore un sur le côté. Mais c'est magnifique. Tu as très bien fait ça, mon petit Nico. Ah, le 4, on va le poser là. Alors, je cherche toujours le 3, hein. J'arrive. Hein. Il y en a trop. 19. 14. 11. Le 3. Donc, c'était quoi? En attendant la douceur. Oh, C'est dénommé, Ah non, c'est les mini marshmallows. C'est les mini marshmallows. Il me connaît bien. Trop bien. 4. Un autre accessoire à mettre dans ta collection. Donc il est ici. Oh, un headband avec des étoiles dorées. Oh, il va me servir dans une future vidéo. Il est trop beau. J'adore. J'en ai pas en plus. C'est comme ça. Puis c'est un bleu nuit avec des étoiles dorées comme ça. Très beau. Avec le petit nœud derrière. Enfin, ouais, moi je les mets derrière les petits nœuds, hein, mais vous pouvez les mettre devant aussi. C'est très joli. 5. Pourquoi pas à utiliser dans un live? Ça, ça sent les masques. Ça sent les cheat masks. Il aime beaucoup quand je fais des masques en live. Parce qu'il se fout de ma gueule après. Il y en a plein. Donc, ils doivent tous venir de chez Action. Il y a celui-ci, ceux-ci pour les yeux. Au caviar, les gens. Aux œufs. Ah, celui-là, je l'ai déjà eu, je l'ai déjà fait. Je faisais quoi, ça? À la truffe. Eh, ben dis donc. Au charcoil. Celui-là, j'ai déjà eu aussi. Ah, et un pour les pieds. À la lavande. Ça veut dire que je pue des pieds, ça? Merci Nico. Ça me fait un petit stock en plus de cheat mask. Ensuite, 6. Entrons dans la magie de Disney. Ah, le 6, je ne l'ai pas. Attendez, il faut que je le trouve. Ça, c'est le 8. Je vais le mettre là. 15. Bonus. Non mais attends, t'as déjà mis 25 trucs et tu mets en plus des bonus, toi? T'es un grand malade. Ça, c'est le 9. On va mettre là aussi. Les petites étiquettes sont vraiment très jolies aussi. 6. Ici. Oh, avec le petit ruban assorti, le petit nœud. Oh là 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 là. J'ai l'impression que c'est Noël. Ah, des masques encore. Ah non, mais attendez. Si. Oh, le schéma de beauty, collection Disney masques. Excellent. Le Cheshire, je l'avais déjà eu. Et je vous l'avais mis en concours et je vous avais mis Tigrou, mais je ne l'avais pas pris pour moi. Et il y a Pampan et les 100 Dalmatiens. C'est génial. J'aime bien en plus les masques de beauty. Ils sont toujours beaux. Bon, après, ils font rien de plus que ceux de chez Action, hein, mais voilà, c'est le petit délire Disney, justement, comme il dit. Ils sont vraiment mignons. Puis c'est super bien présenté, le petit coffret, là. Vous avez le petit ruban.
Et alors attendez, j'essaye de voir comment ça s'ouvre. Et, oh, regardez comme c'est bien présenté. J'adore. C'est génial. Me voilà refaite en masque. Ça, c'est génial. Alors, cette... La guerre est entre les gentils et les méchants. Le 7. C'est un gros coup ça. Très joli papier cadeau. Encore des masques. Excellent. Alors là, je vais avoir tous mes masques pour l'année. Hein. De la tête aux pieds, 6 masques de beauté, les princesses et les vilains. C'est génial. Mais c'est génial. Ah, c'est des peel-off. C'est pas des cheat masks, c'est des masques... Je vais mettre ici. Il y a des peel-off, il y a pour les pieds. Alors ici, chez Disney, vous avez masque à la boue et à la mer morte Ariel. Jasmine, c'est peel-off au concombre. Belle, argile de rose, rose. Aurore, crème de fraise. Réponse, crème SOS. Et Cendrillon, pied frais. C'est génial, c'est trop bien fait. Et ici, vous avez la méchante reine. C'est un peel-off au charbon et au sucre. Maléfique, c'est au charbon et à l'argile noire. Et Ursula, aux algues noires. Mais c'est trop bien fait. Trop bien fait. J'adore l'idée. Trop bien. 8. Petite cure. C'était celui-ci. Faut bien vu les vilains, enfin les masques là, je vais pas m'en remettre. Je connais pas la marque du tout. Alors ça, je connais pas non plus. Face Serum avec de Madonna Lily. C'est des petites ampoules comme ça. Je connais pas du tout. Faudra que je lise comment ça fonctionne. Ça doit remplacer les sérums, je pense. Ouais, Face Serum, c'est marqué dessus. Ouh, ben je testerai ça. Je vais intégrer ça dans ma routine. 9. Il paraît que je suis utile. Oh. Je ne vais pas être en manque de masque. Hein. De chez The Body Shop, celui à la vitamine C et celui à la vitamine E. Voilà, c'est génial. La vitamine E, j'aime beaucoup leur gamme en plus. Donc, j'avais jamais testé les masques de chez eux. Donc, ça me fera l'occasion de les tester. 10. Entre deux make-up. Alors, attendez, il faut que je trouve le 10. Bon. Il était tout en dessous de tous les autres. Oh, bien sûr. Sponsorisé par Scotch, notre cher Nico. Ah, génial. C'est la lingette nettoyante de chez Action. Je ne l'ai jamais achetée, celle-là, et pourtant, j'adore ça. Donc, j'ai hâte de la tester. Je vous abandonne 5 minutes. Je vais attendre que le monsieur ait fini de nettoyer le trottoir. Bon, on peut enfin reprendre. Voilà, après 15 minutes d'attente, ils ont nettoyé tout le parterre, le trottoir devant, enlevé toutes les mauvaises herbes et tout ça, donc des broussailleuses, grattage et tout ça. Donc du coup, j'ai été me faire un café avec bébé Gougou. Voilà, bon, alors on en était au 11, pour avoir une belle courbe. Et c'est... ceci. Alors au départ, je me suis dit, oh tiens, c'est un mascara, mais c'est tout plat. Donc c'est pas un mascara. Voyons voir. Après, je t'envoie monsieur hein, pour s'il gueule à cause des papiers. Hein. Mm-hmm. Ah, c'est une lime à ongles. De Noël, je crois. Ouais.
Oui. Excellent. De chez The Body Shop. Elle a l'air de bien gratouiller en plus. Donc ça, c'est pratique. On n'a jamais assez de lime. Et le jeu de mots était bien. Sculpture au bout des doigts pour le numéro 12. Donc celui-là, il est ici. J'ai un peu fouiné. Hein. Et ça sent la petite pochette de manucure. Donc ça, c'est, si c'est ça, c'est génial parce que j'en ai pas. Ça a l'air d'être dans le sac à main. De chez Nocibé. Une petite trousse rose. Et c'est bien ça. Il y a une lime, une pince à épiler, un ciseau et un petit coupe-ongles. Donc ça ira de suite dans mon sac à main parce que je n'en ai pas. Et quand on se casse un ongle et qu'on n'est pas à la maison, bah c'est chiant. Donc ça va m'être très utile. 13. Une pose de couleur. C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est celui-ci. Il y a plusieurs choses dedans. Sponsorisé par Scotch. C'est Noël. C'est Noël, les gens. Ah, c'est pour les ongles. Ouh, je vois de la pailletasse. Ouh, je vois de la pailletasse. Alors, on va déjà prendre les deux là. Hop là. Parce qu'on voit. Donc, c'est une marque que j'ai déjà utilisée. Je la connais et elle est bien, c'est gel polish, c'est des paillettes, oh, elles sont trop belles. C'est pas des paillettes, c'est carrément des petits sequins, enfin c'est des grosses paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir, ah oh, si, je crois que vous les voyez quand même. Il y a des bleus et des holographiques, trop bien. Donc c'est le 18,54 et le 19,57 pour celles que ça intéresse. Et il y a deux petits trucs comme ça, V-Shine, donc je ne connais pas du tout. Vernis à ongles, vernis semi-permanent, je ne connais pas du tout. Ah bah c'est la même marque. Oh, il y a un bleu roi, je dis non, un bleu nuit et un vert sapin. Donc c'est deux teintes que j'ai pas. C'est vrai que j'aurais pu offrir les autres aussi. Non, je ne les ouvre pas, j'y arrive pas. Et dans l'autre, toujours la même marque. On a un bleu nuit qui a l'air d'être pailleté bleu et un vert. Je ne saurais pas décrire le vert. Il a l'air très joli. Il me connaît bien. Un peu trop bien, ça fait peur. Ensuite, 14. Un produit de cosmétique. Ok. Ici. Voilà. Skin naturel. Je ne connais pas du tout. Acide hyaluronique concentré. Concentré d'acide hyaluronique bio. Est-ce qu'ils disent ce que c'est? Attendez, hein, je cherche le franglais. Bien agité avant l'utilisation, appliquez une à trois pressions de sérum sur votre peau, préalablement nettoyée et humidifiée, puis laissez pénétrer. Appliquez votre crème hydratante. Donc, si je comprends bien, c'est un sérum en spray hydratant à l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est tout ce qu'il me faut. C'est une bouteille en verre et elle est scellée et vous avez le pchipchit à part. Donc ça, c'est génial. Alors, je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que pour l'instant, j'ai un autre sérum. Mais je pense que c'est le prochain que j'utiliserai en plus pour les feignasses, c'est génial puisque c'est en pompe, les gars. Trop facile à utiliser, j'adore. Merci, un produit que j'ai hâte de découvrir. 15, un deuxième produit de cosmétique. Ok, ah, à mon avis, c'est la même gamme. Il faut une force surhumaine pour ouvrir les papiers de Nico.
Alors, c'est la même chose, mais au rétinol. Mais il est génial, ce mec. Anti-aging. C'est là, exactement la même chose, sauf que là, c'est du rétinol. Donc, maintenant, à savoir lequel j'ai utilisé en premier. C'est génial. Ah, je ne sais pas lequel je vais utiliser en premier. Je verrai suivant les autres soins que j'ai. Mais c'est génial, j'ai vraiment hâte de tester ça. Et c'est une très bonne idée. 16. On me prend et on m'utilise dans la salle de bain. 16. Eh, mais j'ai oublié le 14, là. Sur le 14. Un produit de cosmétique. Ou à moins que tu te sois trompé d'étiquette. Ben oui, j'ai oublié. Je me suis pas trompé de numéro. Alors attendez, je cherche le 16. On fera le. Je vois un 14 là, donc on regardera après. Donc c'est celui-ci. C'est tout mou. Donc ça doit être un truc pour nettoyer le visage ou un truc comme ça. Hein. Ah, c'est un loupa. Si, un petit loupa. De chez The Body Shop encore. Et c'est un Bordeaux en plus. J'en avais plus en plus, ça tombe bien. 17. Je suis plusieurs surprises. 17. Attendez, hein, je cherche. À mon avis, tu t'es trompé. Ça doit être celui-là, le 17, je pense. Donc ça doit bien être celui-là. La boîte est magnifique. Avec des petits sequins roses comme ça. Des petites paillettes roses sur le côté. Château. C'est trop moi. Et l'autre, elle est bleue. Alors, c'est tous des produits de chez... ah non, j'allais dire The Body Shop, mais non, il y a Yves Rocher aussi. Alors, attendez, on va découvrir ça. des petites barrettes pour les cheveux. Ici, on a... Oh, de chez Fenty, un mini pinceau kabuki. Attendez, j'essaye d'ouvrir. Pour être mini, des mini, hein. Il peut être pas mal pour appliquer le blush poudre. Le blush crème. Il faudra que j'essaie. Je l'essayerai. Je vais le remettre dans sa petite boîte pour pas qu'il s'abîme. Le capuchon, je ne vais pas le remettre par contre. Ensuite, on a une petite savonnette citron basilic de chez Yves Rocher. Ça a l'air de sentir bon. Donc moi, j'utiliserai pour laver mes pinceaux. On a de chez The Body Shop un shower gel en 60 ml à la mangue. Je ne suis pas une grande fan de la mangue, mais les messieurs aiment bien. Ouais, moi, c'est une odeur qui ne m'emporte pas. Mais j'aime bien leur gel douche. Et de chez Yves Rocher, huile végétale énergisante, mandarine, citron et cèdre. En 150 corps massage body. C'est une huile hydratante, quoi. Bon, ça, c'est cool pour mes jambes. Parce que j'ai toujours les jambes très sèches, surtout en hiver. Ça sent bon. Ça sent super bon. Eh bien, on testera ça. Alors, 18. Prenons-nous le temps pour soi. 18, c'est l'autre petite boîte. En bleu. Elles sont trop belles, les boîtes. J'adore les boîtes. Et je suis une grande fan de boîtes. Alors, on a... de la même gamme, la crème à l'acide hyaluronique en 100 ml de chez... je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Satin naturel, c'est ça? Je connais pas du tout cette gamme. Voilà, donc... je ne vais pas l'ouvrir non plus hein, pour l'instant, puisque j'ai ce qu'il faut. On a une crème pour les mains grapefruit, c'est pamplemousse de chez The Body Shop. Ça tombe bien, j'ai plus de crème pour les mains. On a de chez The Body Shop un lip butter, donc un beurre à lèvres à la fraise. On en a un à la coco. On en a un à la mangue. Donc, celui à la mangue, je ne l'utiliserai pas, désolé Nico, mais je le donnerai aux filles.
Et un body butter à l'almonde, à l'huile, au lait d'amande et au miel. Oh là là, génial. Et un échantillon Drops for Use, concentré jeunesse. Alors normalement, j'utilise pas les échantillons, mais je vais le tester. Voilà, voilà. Ça, c'est très bien. 19. Pour l'avoir, c'est qu'on a besoin. 19. Où te caches-tu, petit 19? Ici. Bon, attendez, je reprends mes esprits avec une gorgée de café. Il y a des bruits chelous chez moi. Oh, oh, cool! Après shampoing nourrissant à la banane de chez The Body Shop. Jamais testé. Attendez, celui-là, je le sens. Obligé. J'adore l'odeur de la banane. Mmh. Ouh, quand j'ai fini mon masque à la citrouille là de chez Action, j'utilise celui-là. J'adore l'odeur de la banane. Ça sent trop bon. Entretien des cheveux pour le 20. Alors, le 20, ici. Oh, ça doit être le shampoing qui va avec. Oh, ça, j'ai hâte de tester le combo. Mes cheveux vont sentir la banane. La banane. À la banane. J'ai l'impression d'être un mignon. Je suis pas très centrée, hein, mais j'ai Lilou qui est collé à mon cul. Alors, 21. Prendre soin du visage. 21. Ça, c'est le bonus. Ici. Oh, j'adore le petit ruban assorti au petit nez. Trop bien collé, hein. C'est bien pour l'instant, il y a déjà plein de trucs que je vais pouvoir découvrir. Mais c'est beaucoup trop, Nico, hein. Oh. Une brosse nettoyante visage avec un scrub et une crème jour et nuit. C'est génial. Génial. 22. Mettons des couleurs. 22. Ici. Ça sent déjà la fin. Hein. Oui. Oh. Je ne l'ai jamais testée en plus celle-là. C'est une color book, la bleue et la verte de chez Révolution. Je ne les ai jamais testées. Alors attends, je vais l'ouvrir pour regarder. Je cherche mon kitter. Kitter. Il y a trop de bazar maintenant. Hein. Je ne trouve plus mes affaires avec tout ce qu'il y a sur la table. Bon bah je vais essayer avec le ciseau. Ouh. Alors attendez, je vais vous mettre la séparation au milieu pour pas qu'elle vous éblouisse. Et... Donc, d'un côté, vous avez les mats et d'un côté, les lumineux. Oups, je fais tomber la boîte. Ouh, il y a des très beaux verts, des très beaux bleus. J'ai hâte de tester ça. Je ne les ai jamais testés, ces palettes. Ensuite, cadeau pour tes trois hommes en 23. 23. Donc, je te dis déjà merci pour eux. Pour ton chéri, pour Enzo, pour son... Oh, les boîtes, je vais les garder. Je vais aller les foutre en déco dans mon fond de vidéo Noël. C'est une carte Amazon.
trop bien fait. Je regarderai ça avec eux pour voir ce qu'ils veulent commander. Donc je suppose que c'est tous les trois la même chose. Ouais, c'est tous les trois la même chose. Ah oui, on voit le petit logo Amazon là derrière. C'est génial. Par contre, les boîtes, moi je les pique. Ils auront droit qu'à la carte. Merci pour eux. Alors, 24 cadeaux pour les animaux. C'est ça le gros colis qui pèse 3 tonnes. Putain, t'as peur qu'ils aient pas à manger chez moi ou quoi? Oui, c'est pour toi celui-là. Oh là là. Oh là là, mais Nico, t'es malade. Cinglé. Mais c'est un grand malade. Alors là, même eux vont me dire merci. Hein. Il y a tout ça. Ça, le chat, il adore. Ça, les chiens, ils adorent. Celui-là aussi. De toute façon, hein. Le Catisfaction. Ah, il regarde bien mes vidéos. Hein. Et encore des dentastiques. Bah écoute, merci pour eux. Alors je sais qu'il était très gêné d'avoir oublié les chichous. Mais les chichous, t'inquiète pas, sont déjà assez gras. Le chat a entendu les paquets, il est là. Lilou va te dire merci tout de suite. Lilou, tu dis merci à Nico? Dis merci Nico. Il t'a envoyé des friandises. Oh, question des friandises. Tu veux une friandise? Tu veux une friandise? Tu veux une friandise? Je te la donne après. Hein? Parce que sinon, on va t'entendre faire. Oui, mais t'as la patte dans ma poche, là. Alors, on finit par une bonne odeur. Numéro 25. Donc, il reste le 25 et le bonus. Alors, je suppose que c'est celui-là que t'avais peur qu'il arrive cassé. Hein, tu m'avais dit qu'il y avait un parfum et que t'avais peur qu'il arrive cassé. Alors, c'est Eau de Parfum Paris Chic de Jacques Saint-Pré. On n'est pas, hein. On va sentir. Elle est belle, la bouteille. Oh oui, ils sont bons. On le sent jusqu'ici. La bouteille est très jolie. Ça fait très classe, je trouve. On va sentir bon. On finit par une bonne odeur. Non, ça, on a déjà fait. Bonus, fixons ce beau make-up. Je suppose que c'est un fixateur make-up. Ah, c'est qu'elle est intelligente, la fille, quand elle veut. Ça fait très longtemps qu'il prépare ce colis. Il était impatient. Donc moi je lui ai dit que j'allais l'ouvrir en vlog. Il ne sait pas que je fais une vidéo spéciale. Et je me suis dit il aura envie de voir. Et bien, c'est de la marque Biphase. Tout type de peau, 150 ml, make-up long lasting. Voilà. Bon, je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que j'en ai plein d'ouverts. Qu'il faut que je finisse avant d'en entamer d'autres. Mais les fixateurs, c'est toujours utile. Il y a une montagne de papier à côté de moi là. Donc, joyeux Noël à toute la petite famille. Il y a une petite licorne derrière celle-là. Voilà. Nico, merci infiniment, c'est énorme, c'est trop, beaucoup trop, voilà, je t'avais dit de ne pas en faire autant, et je dois avouer que ces petits produits-là, attends, je les chope sans faire tomber le reste, j'ai vraiment hâte de tester, ainsi que les shampoings à la banane, là. Les petits baumes à lèvres, enfin, il y a plein de choses, les masques, oh là là, alors les masques Mad Beauty et les vilains et princesses, là, j'adore l'idée. Voilà, les petits vernis, j'ai hâte de tester aussi. Enfin, je regarde un peu tout ce qu'il y a là. La petite couronne qui me servira en vidéo, ça, il n'y a pas de doute. Rien que les cadeaux pour les garçons et monsieur, c'est adorable. Vraiment adorable. Voilà, j'adore. C'est génial. Et le lot de friandises pour les chiens, enfin les animaux, hein, les chiens et le chat. Voilà. Je te remercie du fond du cœur, c'est vraiment adorable. On voit que tu me connais vraiment bien. Le seul petit faux pas, c'est la mangue.
Voilà, mais ça, je crois que je n'avais jamais précisé forcément non plus que c'était une odeur que j'aimais pas énormément. Mais tout le reste, voilà. Les petits marshmallows, c'est des petites conneries, mais ça fait tellement plaisir. C'est vraiment adorable de ta part. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors, j'ai horreur de ça. De recevoir ce genre de colis, parce que, voilà, vous arrêtez pas de me dire que je suis méritante, mais pour moi, je mérite rien. Je suis juste quelqu'un qui fait l'andouille devant une caméra et qui passe un bon moment en essayant de vous faire passer un bon moment également. Mais j'ai pas l'impression d'être méritante sur quoi que ce soit. Je fais juste ça parce que ça me plaît, parce que ça me donne envie de me lever le matin, que ça me change les idées, que ça m'aide avec la dépression et que ça me permet d'échanger avec des personnes formidables, vous bien sûr, et d'avoir fait des très belles rencontres et voilà. Ça me touche vraiment énormément, ce genre d'attention. Et arrêtez de dire que c'est pas assez, c'est largement trop déjà à la base. Vous n'avez pas à m'envoyer des colis, c'est à moi de vous remercier. Voilà, vous ne seriez pas là à partager avec moi, j'aurais peut-être plus envie de faire les vidéos non plus. Donc c'est à moi de vous remercier et pas l'inverse. Donc voilà, Nico, merci infiniment pour ce colis monstrueux. Pour ta fidélité, tes commentaires à chaque fois, tes pouces en l'air, tu likes chaque post Instagram, tu likes chaque vidéo, enfin, t'es vraiment très présent, t'es là sur tous les lives, en principe, hein, sauf quand t'es pas disponible, mais ça, je peux pas t'en vouloir non plus, on a une vie, hein. Donc voilà, je sais plus trop quoi dire, j'ai les papiers qui se font la malle. À part mille merci, parce que c'est vraiment adorable. Après, j'aime vraiment pas que vous dépensiez votre argent pour moi. Voilà, chacun ses sous. Hein. Je sais que c'est difficile de les gagner. Donc, mais ça me touche. Voilà. Donc, je vais arrêter là, parce que sinon, je vais me mettre à chialer. Nico, merci du fond du cœur. C'est vraiment adorable. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part merci. Donc, je te fais plein de gros bisous, mais vraiment d'énormes gros bisous. Je te dis merci de la part des garçons et des animaux, sauf des chichous qui te font la gueule. Je sais qu'ils vont être contents, que ce soit l'un ou l'autre. Moi, je suis ravie de tout ce que j'ai découvert. Tu m'as fait mon stock de masques pour l'année, hein. Donc, je vais être tranquille. Il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. Donc, maintenant, je vais resioter un peu tout ça. Et on déballera les petits chocolats ensemble dans les Vlogmas de décembre. Tous les jours, on mangera ensemble notre petit chocolat. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air avant de quitter cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, mettez un max de pouces en l'air pour dire à Nico que c'est adorable, tout simplement, et qu'il est gentil. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.